Caroline Jamard, la police, c'est bien à vous ? Oh, ma bourse. J'adore les bourses. Alors, voyons voir ce qu'ils m'ont dérobé. Mais il manque le portefeuille, bien sûr. Argent liquide, ma montre, évidemment. Ah, ils ont laissé des papiers. Ça, c'est gentil. Merci, mon God. Qu'est-ce que vous regardez ? Ça, c'est Ruben. Ruben, voilà. Non, parce que je me disais que j'avais déjà vu cette... Vous avez l'air de vous y connaître, vous, en mal. Hein. Et pas que. Mais ça va pas bien, non? Ils vont me tuer! C'est quoi ce bordel? Ah, bah te voilà, connard! T'as failli me tuer? Hein? T'as failli me tuer? Mais j'ai pas fait exprès! Mais il est vite fait! Ta gueule! Il appelle! Ah bah très bien, on va répondre! Non, non! C'est... Non, je suis... Allô, non, j'ai passé pour une balance! Est-ce que dis-lui que je trouvais la schneck de sur un avou? Je lui coupais les couilles, le sécateur. Je vais vous couper les couilles avec un sécateur. Hein? Cadeau empoisonné! Eh, elle a craché la mise en pli ou quoi là? Qui ça toi? T'as un problème? C'est parce que t'as une tête de gland que t'as envie de te prendre une branlée? Quoi? Non mais arrête de ça pour si moi! Si je t'attrape, je te défonce, espèce de petit fils de pute! Ouvre! Elle est dingue! Faut vous calmer, hein, les consanguins, là. Attends ton tour, toi, j'arrive. Mais descends, connard, soir, je vais te repeindre, moi. Quoi? Attends un peu, je vais te défoncer, toi. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Allez, non, mais c'est... Vas-y. Dégage, moi. Et la prochaine fois, coupe pas de ton cul, si on va partir avec les couilles en pendentif. Qu'est-ce qu'on fait? Tu te mets au poste là-bas, là. Dès qu'il y a le moindre truc, tu me siffles, OK? J'ai pas sifflé. Je peux pas te parler là. Je suis occupé. Je travaille. Gros-toi. Je suis presque. Ah de merde, elle était ouverte. Mais où tu vas, toi? Le chat. MC, il a vous, Sclepse. Bah non, je suis là par hasard, couillon là. Non. T'as intérêt à assurer, hein. Parce que sinon, je te revends au Mexicain du coin pour qu'il te transforme en tacos. La meilleure avant-première de D-Connect, c'est à 7. Et ça, c'est... j'ai jamais passé une soirée comme ça. Jamais. De ma vie, mais franchement, je n'ai jamais fait ça. En fait, c'est des étudiants de l'école de cinéma de Montpellier qui nous ont amenés à 7, où il y a le cinéma de Jacques Fon aussi. Et donc, ils avaient fait une soirée bière, moule, frites, machin. Et comme le temps de venir en bagnole, je savais que le tel ingénieur du son voulait faire la guerre en Irak et couvrir la guerre en étant ingénieur du son, que sa femme supportait pas prendre l'avion, que machin, trompait avec... Et donc on a fait, après le film, je pense qu'on a discuté 1h45 avec des gens, je connaissais toute la vie de tout le monde et c'était vraiment chouette. Mais donc voilà, j'aime vraiment beaucoup cette région et franchement, on n'en fait pas, hein, des avant-premières en France, c'est quasiment la seule. Hein. Et ouais, et la semaine prochaine, c'est Paris, mais sinon... Ouais. J'ai appelé Jacques, je dis Jacques, il me dit mais je suis en Inde, mais je t'organise tout ça. Donc voilà, merci. Mais j'ai quand même fait beaucoup de pubs, des clips à Cuba, à New York, à Chicago, et des pubs dont je suis très fier. Donc celle où j'ai pu faire tout ce que je voulais, c'est BTP. En France, c'est... Exactement, ça c'est extraordinaire. Alors le patron qui allait prendre sa pension, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'était chaque fois, Olivier, on sait pas faire plus fort. Et c'était que pour Internet, hein. Ce serait interdit un passage à la télé. Mais ça franchement, on a fait 12 pubs en une semaine. C'est incroyable. Voilà. Sur Internet, où je peux vous les envoyer par WeTransfer si vous voulez. Oui, c'était le patron qui s'occupe de ça. C'est les travaux pratiques en bâtiment, c'est ça? Et oui, c'était... Voilà, c'est... Je prends un exemple de pub, c'est un connard qui est dans une 4L, qui a 20 ans, sa copine est en train de pisser accroupie près d'une cabane,
Et il y a un mec qui arrive, qui empoigne la copine, qui l'amène dans un truc, qui la viole, qui sort avec sa tête, prend la tête comme un ballon de foot, qui la jette sur la 4L, que l'autre essaye de démarrer comme un abruti, qui parvient pas. Et donc, il prend sa tronçonneuse, il ouvre la porte, il tronçonne le mec dans la bagnole, il claque encore la porte dessus, il crache dessus. Ça, c'était l'idée du patron. On sait pas faire mieux, je sais pas. Et donc, c'était tout le temps comme ça. Douce, les douces sont comme ça. Mais on s'est bien marré. C'était chaque fois montré qu'en fait, si tu avais eu ton travaux pratiques en bâtiment, bah, tu aurais pu passer ton permis de bagnole ou acheter une bagnole qui roule, ou tu ne serais pas obligé de faire l'amour dans une bagnole qui est dans une casse automobile, ou tu ne serais pas en train de rentrer chez toi mort bourré et tu ne sais pas ouvrir ta porte d'entrée. Voilà, c'était... Mais on s'est bien marré. Et c'était un mec qui n'était pas acteur et c'était ma babysitter, avec qui on avait fait plein de pubs pour Besson. Et voilà. Enfin, c'est une parenthèse pour dire que je n'ai pas rien foutu pendant toutes ces années. Mais... Ouais, ça, c'est le truc. Et j'ai fait Free aussi, hein. Les pubs Free des gens qui veulent acheter le désert. T'as une nana qui vend le désert en disant que c'est de la merde, ça vaudra rien. Et puis il est marqué juste Las Vegas derrière et il dit mais t'inquiète pas, je vais quand même. Mais ça, j'ai fait aussi. C'est vrai ? Et donc, tu vois, un Gaëtan. Voilà, pardon. Oui, mais je pense qu'en fait, c'est différent. Je pense que, enfin, ça, c'est un conseil que je donnerais aux gens qui veulent absolument voir D-Connect 2. C'est peut-être pas, enfin, c'est mon univers, ça c'est clair, donc c'est décalé. Mais je pense qu'en fait, c'est quand même. Moi, je voulais faire un film où les femmes sont ultra modernes. Un peu comme Clint Eastwood quand il a fait l'inspecteur Harry. C'est-à-dire que voilà, on n'avait jamais vu des flics comme ça. Et donc ici, c'est un peu le but. C'est-à-dire que. Justement, les rôles de Florence, Corinne Maziero, ou même des putes, ou voilà. La seule personne normale, c'est Sarah Souko, en fait. Qui a quand même grandi dans une secte, ça vous le savez tous depuis Les Éblouis, mais... Et Sarah, c'est un peu la personne... Mais les autres, ils sont quand même un petit peu... Ouais. Ils ont jamais fait l'amour, hein, ces deux-là. Voilà. Ils vont pas au cinéma, ils vont pas au restaurant, ils bouffent des tacos. Voilà. Et... Non, les dialogues, en fait, on les fait à deux, mais c'est principalement Mourad Douar, avec qui j'avais fait aussi le court-métrage pour Les Talents en Cannes en 2016, AK. C'est un court-métrage qui a fait le tour du monde deux fois, et dont je suis super fier, et qu'on avait tourné à Angoulême, dans la forêt d'Angoulême. Ça fait penser un peu à Twin Peaks. C'est deux nanas qui inventent un film et qui ne sont jamais d'accord, qui changent tout le temps d'avis. Donc c'est lui qui a principalement écrit les dialogues. On a écrit aussi un film pendant 15 mois sur sa vie à lui. Parce que c'est un flic d'élite, en fait, au départ. C'est quelqu'un qui, le jour où il vient à la maison, je reçois une lettre de la police. Donc je me dis, je me suis fait flasher. Déjà qu'ici, je me suis fait poursuivre par les flics pour rentrer jusqu'à Montpellier avec ma bagnole. Parce qu'en fait, j'avais une voiture qui était quand même assez puissante. Et donc... J'ai vu qu'ils me suivaient à fond avec leur Subaru, là, et donc j'ai rétrogradé plutôt que de freiner. Hein, ça sert à rien de freiner, sinon ça se voit trop. Et donc, ils m'ont suivi d'ici, à peu près un peu plus loin, jusqu'à Montpellier. Ils rentraient dans les pompes à essence, ils remontaient. Ah bon, je travaillais avec leur raid et tout ça, donc ils m'ont dit « N'aie pas peur de la police ». On faisait des courses de bagnole avec leur raid pour aller sur GoFast. Pas du tout. En fait, le pari raté, c'est de sortir le film le jour de la fête de la musique. Il commence à faire beau depuis quelques jours, et donc voilà, sur des terrasses, et il y a la Coupe du Monde de foot. Donc il n'y a plus les télés Fogiel, Ardisson, Ruquier, tout ça c'est fini, donc il n'y a pas cette pub-là, entre guillemets. Et il y a la Coupe du Monde. Et donc arrive la sortie du film, et... le JT de TF1 ne fait que le foot. Pourtant, il y a quand même Foresti et moi. Normalement, on doit passer. Et jusqu'à la dernière minute, il y avait Europa qui était au téléphone avec la rédaction de TF1 pour savoir si vous avez passé ce truc. Et tout d'un coup, ils pensent que la pub, elle est monstrueuse si on passe ça, puisque c'est la seule séquence qui est hors foot. Machin. Donc, pas de bol. Et donc, le film fait 130 000 entrées en France. Voilà. Et aujourd'hui, 165 millions de vues. Et le film qui... Il n'y a jamais un film qui est passé autant à la télé, sur les chaînes de TNT, W9, NRJ12, jamais. Avec des audiences quand même qui frôlent quand même chaque fois un ou plus qu'un million de spectateurs.
Mais puis après, c'est des hôtels qui s'ouvrent en Thaïlande, des bars, ouais, partout. À Lyon, il y a ça. Un jour, j'étais ici, bah, près de Toreil, et il y a un petit gosse qui est devant une Ferrari F40 et qui est là, non, une moteur de sport, une bagnole de sport, le moteur est toujours à l'arrière. Et t'entends, tu vois, la phrase de ton film, et ça continue parce que le patron de PlayStation, j'ai fait toutes ses pubs quand ils n'avaient pas de sous, et il ne peut pas aller à Paris ni dans toute la France, on ne lui parle que de ça. Parce que comme on sait qu'il est belge, et ben, voilà, c'est le truc. Et en même temps, ça me fait plaisir. Moi, je ne suis pas dans la peau de Damien ou de Michel Blanc par rapport au bronzé. Ce que je comprends, ces deux personnes, ça doit être chiant. Quand tous les jours, on te parle de ça et on t'imite. Et si, et là, moi, enfin, c'est pas ça, en fait. C'est plutôt des gens qui ont bien rigolé. Ou un jour, une gamine qui me fait « Là, j'ai 12 ans, mais je peux dire ton film, je l'ai vu hein, dans mon berceau, en grandissant et machin. » Et donc, elle est venue à l'avant-première ici qu'on a fait à Namur, en Belgique, et elle m'a dit « Je suis content de voir ce film-là, que ce soit pas Dickonek 2 ni Dickonek, parce que je déteste Dickonek, mais celui-là, je l'aime bien. » Voilà. Ça va, mais voilà. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas Dickonek 2, c'est pas les mêmes personnages, je pense. Dans Dickonek, c'est pas fait exprès. Mais j'adore Alain Chabat. C'est pas fait exprès. Non. Non. Si. En fait, un jour, on avait pris. On avait volé la carte d'identité d'Arthur, le présentateur télé, avec une chef costumière qui l'habillait sur. Voilà. Et donc, elle trouvait ça marrant qu'il soit dans le film. C'est le portefeuille que les gens trouvent dans le Peep Show. Et voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé un jour entre Luc et Arthur. Ils n'étaient pas d'accord sur quelque chose. Et donc, Arthur a demandé de retirer sa carte d'identité de Dickonek. D'où Alain Chabat, avec la plus grande gentillesse qu'il a, il a dit avec ou sans lunettes. Et c'était super gentil, je le remercie encore. Alain, merci. Voilà. Mais je ne connais pas Alain, on ne s'est jamais rencontré, mais voilà, je profite de cette interview pour lui dire merci. Merci Alain, dans les yeux. Mais non, c'est vrai que c'était chouette de faire ça. Et François Berléand, c'est ça qu'il me disait, c'est qu'en fait, c'est pas du cinéma, mais c'est vraiment du cinéma. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un autre univers. Hein. Ça n'existe pas, ce monde-là. En fait, on est bien d'accord. C'est pas... Et en France, il y a beaucoup de gens qui croient que j'ai tourné tout le film en Belgique. Qui ne reconnaissent pas Paris ou... Enfin, Rungis. On a tourné beaucoup à Rungis. Rungis, c'est en fait... Je pense qu'un poisson qui est pêché ici passe d'abord par Rungis pour revenir ici à côté. Et donc, tous les produits passent par Rungis pour être réexportés aux quatre coins de la France. Et donc, le patron de Rungis, c'était un fan de Dickonek et de GoFast. Et donc, il nous a ouvert les portes. Et donc, c'est là qu'il y a la boucherie désaffectée de Michael Young. C'est là qu'il y a le bar avec la R5 Alpine Turbo 2. C'est là qu'on a pu... ouais, elle est ici, pas loin. Ouais. Et ça vaut 100 000 euros une voiture comme ça. Parce que la dorée. la dorée, elle est ultra rare. Il y a des blanches, il y a des bleus, il y a des noirs, mais une dorée. Vous êtes passionné de voiture, c'est pas par hasard, vous avez fait GoFast alors. Mais non, Luc, il avait vu ça dans mes courts-métrages. J'avais fait avec Marion Cotillard quand elle avait 15 ans, José Garcia quand il était tout au début de Nulle part ailleurs, qu'il n'avait jamais fait de film. J'avais fait Cléo et Parabellum avec José. Et ouais, il y a toujours eu des bagnes. J'aime bien les voitures. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai plus de voiture à cause de tous ces flics et ces radars dans tous les. C'est impossible de vous. Ouais. C'est l'équipe qui a fait le prochain James Bond. Et c'est des Français. C'est incroyable, hein, franchement. Moi aussi. Quand il était au sol, tu dis. Et puis il se relève et donc il a même fait la course comme Cody Kim fait. Et franchement, j'ai plein d'admiration parce qu'on pouvait le faire qu'une fois. On a deux RS3 et donc l'autre voiture, elle devait tourner le lendemain avec Florence quand le gosse a vomi dedans. Et donc il ne fallait pas qu'il se blesse, ça c'était la première chose. Et, la voiture ne pouvait pas rouler à plus de 60 km/h sinon il peut avoir mal. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Et c'est l'équipe de le fils de Lagnès, qui est un cascadeur connu en France, Jean-Claude Lagnès, avec qui j'ai fait les pubs BTP, mais ça, je vous montrerai, parce qu'en fait, on ne peut pas le dire, ça.
Mais c'était en fait l'idée de Luc, c'était il avait, dans mes courts-métrages, c'était quand même des films très très violents où il n'y a pas beaucoup d'humour. Et donc il voulait faire comme un documentaire fiction sur le trafic de drogue entre le Maroc, l'Espagne et la France. Le point de départ, c'est qu'en fait, quand tu te fais avoir en Espagne, si tu fais ça, c'est des peines à un chiffre. Si tu te fais avoir en France, comme c'est du trafic international, c'est des peines à deux chiffres. Et donc, j'ai eu la chance de travailler avec quelqu'un qui avait beaucoup fait ça et qui m'a tout montré. C'est par exemple comment rentrer en Espagne, le péage ou le poste frontière juste avant l'Espagne, près d'Andorre, la porte de service est toujours ouverte. Le problème, c'est qu'en fait, pour rentrer en Espagne, en fait, ce qui intéresse les Espagnols, c'est le sac Adidas avec 2 millions d'euros dedans et pas du tout la drogue qui ressort. La drogue, ils en foutent. Autant aller pourrir les autres pays que les leurs. Et par contre, le pognon, ça, on aime bien. Et donc, il m'expliquait, par exemple, un jour, on a dû jeter un sac avec 1 500 000 euros. Ils avaient tous 24 ans. Et le problème, c'est qu'il y avait un accident sur l'autoroute. Et donc, il n'y avait plus les bornes kilométriques sur les rails de sécurité. Et donc, comme des cons, ils ont dû sortir après un contrôle de flic, parce qu'il y a des contrôles, forcément, après, pour le pognon, et refaire le trajet en sens inverse, plus sortir de l'autoroute, et comme des cons, en espérant qu'il n'y a pas un mec qui promenait son chien, qui a trouvé le sac, en disant, tiens, chouette. Voilà. Donc, je vous propose, demain, on va... non, mais... Voilà. Mais c'est ça la chance de travailler avec des gens qui sont un peu... Qui connaissent leur boulot. Et c'est des petites anecdotes comme ça on aurait pu faire un film beaucoup plus long mais c'était chouette à faire aussi après Dickeneck en fait. Et c'est Luc ouais. Mais je l'ai écrit avec un flic d'élite donc en fait il avait bien vu il était voir GoFast avec un trafiquant de drogue qu'il allait arrêter ou faire arrêter parce qu'en fait un infiltré n'arrête pas lui-même mais c'était chouette de pouvoir un peu rigoler voilà j'avoue que j'ai adoré travailler avec le Red, la BAC, la BRI mais ici voilà c'est plus une comédie et carrément c'est voulu j'allais dire assimilé mais c'est pas ça le bon terme c'est comment on dit c'est voulu. En fait, je pense que tout se fait dans la préparation. C'est-à-dire que quand j'ai rencontré Michael, il était sur un tournage à Strasbourg, et je lui ai dit, voilà, tout ce que j'aimerais bien et tout ce que je ne veux absolument pas. C'est-à-dire que je ne veux pas une caricature, je veux que ce soit réaliste, à l'anglaise, que ce soit touchant. Ils ne sont pas que cons, hein, ils sont aussi touchants, et ça, je veux que ça. Et donc, en fait, est-ce que tu aimerais bien le faire avec moi ? Et tout de suite, oui. Donc après, on a passé quelques jours à voir tout le scénario dans les moindres détails. Et la manière dont il est habillé, coiffé, qui parle, voilà. Est-ce que je peux changer ce dialogue-là ou cette façon de faire ceci ou cela ? Oui. Et tout ça, c'est préparé avant, avec chacun, mais pas en groupe. C'est-à-dire que jamais je vais faire des lectures de groupe, je ne ferai jamais ça, mais non. Je l'ai fait un jour avec Cotillard quand on avait 14 ans. Et je voulais un acteur pour le premier court-métrage que j'ai fait, qui s'appelait Snuff Movie. Et l'acteur que j'avais est aussi doué que Patrick Devers. Les producteurs étaient là, il y avait d'autres gens qui étaient là. Et c'est tellement... en pub, ça ne me dérange pas de le faire, on gagne tellement d'argent. Et j'en ai tellement rien à foutre que... Oui, on va faire ton truc si jamais tu veux. Mais un film, c'est différent. Et là, donc cette personne est partie de cette réunion en étant désarçonnée à cause de cette lecture de groupe. Parce que ultra timide, un peu comme Patrick Devers, super sensible, un mec, une femme dans un corps de mec qui ressemble à Gainsbourg, entre guillemets. Et donc, plus jamais, en fait, c'était en 93, je pense, et jamais plus je ferai ça. Mais par contre, travailler avec chacun, quel qu'il soit, même s'il a un rôle de 30 secondes, par exemple, le petit gosse qui joue dans le film, il était en train de regarder le tournage, et je fais, t'as pas envie de jouer dans le film ? Il fait, oui, et qu'est-ce que je dois faire ? Je dis, te faire casser la gueule par Flo. Ah oui, d'accord, et je dois être habillé comment ? Comme tu es habillé, et coiffé comment ? Comme tu es coiffé, et je dois parler ? Non, non, tu parles pas, j'ai une copine qui va te doubler, parce que quand on se fait tabasser les couilles, une nana peut très bien faire « Non, pas les couilles !» C'est une copine que je salue, Léa, mais tu vois, je n'ai rien à le faire. Ouais, exact. Ça, c'est très bien dit.
Voilà, mais elle a très bien... Non, mais voilà, et donc j'aime bien aussi travailler avec des gens qui sont absolument pas comédiens ou donner des chances. La fille qui a monté le film, Lucky, c'est la monteuse du court-métrage qu'on a fait en 2016 pour Cannes. Et elle était stagiaire de Sophie Fourdinois qui a monté Go Fast. Et bah là, elle a monté tout le film. Elle a pu monter pendant 10 semaines pendant que je tournais le film. Donc on gagnait du temps par rapport à ça. Et puis je lui laissais la chance de montrer ce qu'elle savait faire. Et je suis revenu du tournage et j'ai vu ce qu'elle avait fait. Je trouvais ça extraordinaire. Il y avait toutes les versions différentes de séquences. Et donc, chapeau. Et j'aime bien ça. L'ingénieur du son, c'est Stéphane Roche. Il vient de la région d'Angoulême. Et il n'avait jamais fait de long métrage à 100%. Et donc, je suis aussi donné sa chance. J'aime beaucoup ça, en fait. Je ne demande pas les CV des gens. Pour... Même Laura Lone, elle joue... carrément décalé. Avec Léa, Laura, pardon, c'est un personnage. C'est un an avant de terminer. Je la vois gagner les jeunes talents sur M6. Et elle habitait près de chez moi à Bruxelles. Et donc je lui dis, tiens, Laura, t'aimerais bien faire un film. Elle me dit, oh, j'ai jamais pensé. Elle était prof d'école, hein, cette fille, avant de faire ça. Et voilà. Et donc je dis, on va y aller à fond. C'est-à-dire que voilà, t'auras pas de perruque, mais on va te coiffer différemment. Les dialogues, on va les écrire tous les deux, juste pour ce petit rôle-là. Et c'est mon petit garçon qui joue, on ne sait pas si c'est son mec ou son fils, mais voilà, qui balance sa guitare par la fenêtre, ouais, sans tout raconter, mais voilà. Et c'est sa maman de cœur. Il était à Bruxelles. Il était à Bruxelles, il tournait un film, et moi, j'avais pas vu vraiment ce qu'il faisait. Mais j'aime bien les gens et plutôt que leur CV. Et donc, je vais demander si t'as pas envie d'aller qu'on aille manger un petit bout à midi. Il fait beau à Bruxelles. Il tournait son film là dans le... une boutique qui se fait braquer. Donc, enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Et donc, on a été déjeuner à midi. On a parlé de tout sauf de Lucky. Il est 5 dernières minutes. Mais en une minute, on sait qu'on va bien s'entendre, qu'on va bien travailler ensemble. Même chose avec Cody, Kim, qui n'est pas encore connu en France, c'est la fameuse scène avec Berléand, le black, là. Et je trouve qu'il est quand même un peu magique dans le film. Mais je trouve que c'est vraiment du ping-pong comme j'aime bien. Il n'y a jamais, par exemple, dans toutes les prises, parce qu'il y a tous les points de vue sur François, derrière François, à gauche, droite, il n'y a jamais une prise qui a été ratée. Aucune. Et donc, ouais, c'est incroyable. C'est comme Esteban qui joue dans... j'adore. Et ça, c'est une fille d'ici, Eugénie de Rouen, qui joue le flic qui est habillé comme Bruce Willis dans Die Hard, là, avec son petit cinglet. Elle est près de Perpignan. Et donc, elle me dit, voilà, je tourne une série pour Canal avec un gars, il faut absolument que tu le rencontres, vous allez super bien vous entendre. Je l'appelle 5 minutes après, je fais, voilà, on se connaît pas, mais tu veux lire un scénario, il y a un petit rôle. Si tu veux pas lire tout le scénario, tu lis la page 67, la page 102 et la page 115. Et donc, il l'a lu, puis il m'a dit, ok, on fait. Et je trouve, voilà, j'adore. Je trouve que c'est des gens qui sont pas dans les stéréotypes de comédie. C'est ça que je voulais aussi faire, c'est une comédie un peu différente. Quelque chose qui ne ressemble pas à tout ce qu'on fait, ni qui n'est pas filmé, ou éclairé, ou réalisé, ou monté, ou joué. Comme... Corinne, de nouveau, pour Canet Plage. Dans Canet Plage, il y avait un personnage que j'adorais, c'est une tante. C'est la tante d'une des filles. Et en fait, elle ne fout rien. Elle est endettée jusqu'au cou. Elle sortait qu'un connard de Polonais qui s'est suicidé d'un building. Et donc, elle est dans la merde financièrement. Et donc, j'avais dit à Corinne, tu ne veux pas faire ce rôle-là. On s'était vu une après-midi sur une terrasse. Et elle m'a fait, mais c'est quand même... Et elle vit au crochet de sa fille, en fait. Sa petite fille. Et donc, il n'y a pas de souci de lui voler de l'argent, de piquer. Elle sort le soir, ça gamine pas. Et donc, tu peux me donner un peu de pognon pour sortir. Bon, ça, c'est pas assez. À un moment, on sort plus que ça. Mais donc... Et Corinne, elle comprend tout de suite ce que tu lui racontes, l'univers, le côté, voilà, donc je fais ça, c'est ça. Si je comprends bien, j'habite dans la baraque familiale qui est abandonnée. La seule baraque qu'on voulait faire ça, c'est à Torreil. Il y a une maison au bord de l'eau, comme ça, comme un château, je ne sais pas. Et on avait réussi à contacter les propriétaires et on aurait tourné là. Et non, ça j'aime bien. Et Corinne lit rarement des scénarios, parce qu'en fait ça l'emmerde. Et donc, mais par contre, quand on lui raconte et quand on tout de suite, on est dans le personnage.
Elle sortait de chez le coiffeur en plus avant Lucky, donc j'ai dit moi c'est exactement ça que je veux. Elle avait ses longs cheveux comme ça et tout, voilà. Mais après voilà, ouais, c'est une chouette personne aussi. Hein. Non, voilà. Ah, mais ça, franchement, ça me fait plaisir que vous le dites. Parce que ça fait la deuxième personne qui me le dit, et c'est vrai. Donc, c'est pas Dick Connect 2, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mais c'est vrai que, non, Flo, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on est, resté vraiment très proches depuis 2005, depuis qu'on arrive. Et pour Dick Connect, on avait même répété le rôle de Marion Cotillard, et elle le faisait à la perfection. Et c'est quelqu'un qui est toujours resté, même malgré tout le succès qu'elle mérite et qu'elle a, très humble et très. Voilà, tel quel. C'est pas quelqu'un qui s'y croit, qui et donc on passe des journées entières à parler d'un film ou de n'importe quoi, et avec cette simplicité qu'elle a, et franchement c'est remarquable. Et alors que le film, le premier jour de tournage, en fait Flo, on va dire en 3 minutes, elle va se rendre compte si elle va se faire chier pendant 2 mois, ou si ça va aller, ou si c'est parfait, ou si c'est ça qu'elle aime bien faire. Et voilà, en fait le réalisateur donne le là. Et ici, l'ambiance qu'il y a, c'est absolument pas une ambiance de hiérarchie, de cinéma avec, où les acteurs mangent avec les acteurs. C'est, tout le monde dit bonjour à tout le monde fait le même film, et tout le monde mange à qui veut. Et donc, c'est assez sympa de travailler comme ça. Avec Michael qui serre la main, un peu comme je vous ai fait, hein, tu vois, j'ai imité Michael quand je suis arrivé. Non, mais je veux dire, c'est vrai, c'est de dire bonjour à tout le monde et pas de juste faire un signe de tête et puis en disant tiens, mon chauffeur est où. Et voilà, ça c'était très agréable comme tournage, et c'était comme ça pendant toute la préparation et tout le tournage. Oui, l'avantage, c'est que Fred, normalement, il n'aurait même pas pu venir tellement qu'il a du boulot. Et donc, on s'est rencontrés, il m'a dit j'aimerais bien jouer dans ton film, même de dos. Et donc, c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment beaucoup. Il a trouvé des failles dans tous ses horaires pour venir une après-midi. Oui, c'est 2 scènes. Oui, bah, c'est bien. La calache, oui. Avec les 2 cons qui ont braqué un Burger King, ils ne savaient pas que le GIGN était en train de bouffer dedans, pas de bol. Et donc, et l'autre qui fait semblant de pleurer parce qu'on lui a volé son chien. Là. Alors que... Sébastien Pierre. Et Sébastien Pierre, c'est Laurent Baffi qui me l'a présenté. Parce que Laurent m'avait invité à voir une pièce de théâtre qu'il avait mis en scène. Et puis le soir, on est allé dîner ensemble. Et j'ai demandé à Sébastien s'il ne voulait pas faire ce rôle-là. Parce que je trouvais que ça lui correspondait bien. Et voilà. Et sinon, non, Laurent, merci Laurent. J'aime bien Laurent Baffi. Ouais, ça. Il a failli dire non. Mais on se voit au Festival de Cannes pour AK, justement, ce fameux court-métrage. Et donc, il y avait une projection de Dick Connect, la toute nouvelle version de Dick Connect 4K réétalonnée. Et donc, c'est quand même le seul acteur qui peut regarder ton film avec des lunettes de soleil dans une salle de cinoche. Alors que tu vois, tu présentes un film que tu viens de, je sais pas, c'est un mois chez Éclair, et toi tu t'en fous. Non, je m'en fous pas, mais je vais le voir comme ça, j'ai déjà vu 10 fois. Et donc je lui demande, est-ce que tu veux pas jouer dans, on a écrit un film, Lucky, c'est pas un des rôles principaux, mais c'est un chouette rôle et j'aimerais bien que ce soit toi. Et donc il me dit oui, tout de suite. Bah oui Olivier, ok, oui. Et un jour, je monte le dîner de con au petit qui a 11 ans, 12 ans à l'époque, et donc il est mort de rire. Et à ce moment-là, Daniel téléphone en disant que finalement, il ne va pas faire le film. Et là, le petit, je le vois super déçu, et je me suis dit, il faut que je sois un héros pour ce gosse. Si je ne récupère pas Daniel, ça n'ira jamais. Donc en fait, je dis Daniel, écoute, j'insiste et tout, ça ne marche pas. Donc je me dis, bon, bah, je ne sais pas, c'est peut-être ce jour-là, ou je ne sais pas, il y a peut-être un truc qui s'est passé dans sa famille. Donc c'est pas grave, je resserrai demain. Et donc le lendemain, je lui ai écrit un petit mot, et puis il m'a fait, bon, allez, j'ai réfléchi, je vais le faire, t'as un chouette gars. Et, voilà. Et pardon pour hier, j'étais vacciné à la merde. Mais j'aime bien, c'est vrai que c'est quelqu'un qui quand même... moi, j'adore aussi les gens avec qui il a travaillé, des proches, tout ça. Enfin, je trouve que c'est des gens qui ont... Ouais. Ouais, et puis quand même la scène où il doit monter sur la moto et ouais. Enfin, on avait quand même enlevé le changement de vitesse pour au cas où c'est qu'il appuie dessus, qu'il parte pas dans le mur à 200 km/h. Mais
Ouais, avec sa tête dessus, ouais. Il m'a demandé l'autre jour si on a gardé la camionnette, si on aurait aimé à la voir. Et c'était inspiré quand j'étais petit, il y avait des t-shirts comme ça avec un truc en plastique, avec des gens avec une grosse tête. Je sais pas si vous avez connu ça, mais voilà, c'était un petit clin d'œil à ça. Et mon père s'appelle Roger, donc je me suis dit Roger Moto. Voilà. Mais sinon, oui, c'était gay de travailler avec tous ces acteurs qui sont quand même très très chouettes. Non. C'est comme, il y a deux choses, c'est tourner avec des enfants, des enfants de 4 ans et un chien. Ça, c'est, ce chien n'obéit pas, ce chien, ça pense qu'à manger, un beagle. Mais maintenant qu'il a vu le film, j'ai mis une vidéo hier à la télé, enfin sur Internet, Instagram, et ben, il est passionné par son rôle dans le film. On voit qu'il aime quand même bien et c'est incroyable. Mais par exemple, la scène où le chien trouve la drogue, j'ai dû enfermer le dresseur dans le garage, dire à sa femme et à son fils, vous allez dégager un peu du plateau, parce que ce chien, il obéissait pas du tout. Et donc, on a mis de la bouffe dans le garage, et du coup, ça devient magique. Ouais, exact. Et c'est un plan, voilà, et voilà. Quand il fait check, on ne lui a jamais demandé de faire check. Va-t-on dire à un chien, fait check. Mais ça, c'est le talent de Michael Young, parce que Michael, ça se voit, il adore quand même les animaux, et quand il le prend dans ses bras et tout, ça fonctionnait bien. Et, mais donc, ce chien fait un peu ce qu'il veut, quand il veut. Et voilà, en même temps, bon, après, je pense que c'est comme un mauvais acteur, si on le monte, finalement, ce qu'on a monté est pas mal. Il y a trois chiens, parce que le chien de Corinne Mazzero, c'est une femelle, hein, c'est ce qu'elle dit. C'est une chienne. Et donc, il y a le chien qui est entre guillemets, teint, et qui n'est pas... On n'a pas teint le chien sur le plateau, c'est un autre chien qui joue à partir... Non, aucune. J'aime. Pas du tout. Non, c'est plutôt... le chien, il a reçu à bouffer plus que prévu, même quand il jouait comme un pied. Tu jettes un bâton comme ça, le chien, il faut par là. Avec la Bentley, là, qui est cassée. Non, non, c'est des chiens français, pardon. Excusez-moi. Mais ça aurait pu, hein, tout à fait. Mais non, il n'y a pas. Non, non, il venait de France. Et c'est un dresseur qui s'est dressé des loups, tout ça. Et la première chose qu'il me dit, ouais, des beagles, c'est impossible, ça n'obéit pas. La chef costumière de Christophe Lecomte, qui est la chef costumière Annie Perrier, qui a fait aussi Dickeneck avec moi, ben, elle avait un beagle, ça n'obéit pas. Voilà. Mais c'est très mignon. Et dans les appartements, dans les grandes villes, ça prend pas trop de place. C'est pas comme un Saint-Bernard ou un Bouvier, peut-être un peu plus compliqué. Non, des Labrador. Chaque fois que je prends des trains, c'est des Labrador. Ouais. Non, c'est en écrivant. En fait, on se disait, mais si... Bon, après, le chien, il a quand même découvert un entrepôt de kayak. Donc on imagine que... sans raconter tout le film. Ça, tu vas pas mettre. Hein. Je rigole. Mais, ouais. On aimait bien... Nous, ce qui nous faisait rigoler, c'est le barbecue. Là. Le mec qui allume un barbecue à l'essence. Il faut vraiment être un crétin total. Ouais. Et puis, ça doit être bien dégueulasse après les côtes à l'os ou n'importe celui-là. Enfin, bref. Et au départ, c'est pour ça. Mais c'est vrai qu'après, j'ai beaucoup d'amis qui sont venus voir le film dans des visions de test et compagnie. Et c'est vrai quand même plus gagner. Et là, l'argent n'a pas d'odeur. Ils s'en foutent. C'est comme dans les routes de Madison. Quand Meryl Streep ne part pas avec Clint Eastwood à la fin, tout le monde pleure. La nana qui ne veut pas tromper son mari, qui ne veut pas abandonner ses gosses, ben, ça fait pleurer les gens. Ils auraient préféré qu'elle parte avec Clint. Mais ça fait pleurer les gens. Ou les gens, ils préféraient que... Comme Rambo, t'as envie qu'il tue le flic. Hein.